Donc salut à tous, c'est Ahmed. On se retrouve pour tuto comment télécharger Battle 2 en C. Donc tout d'abord, il vous faut le logiciel BlueTorrent. J'ai un super accent anglais. Et vous devrez télécharger l'adresse que je mets à l'écran. Il vous faudra aussi Daemon Tools. Si les gens connaissent pas, bah c'est un petit logiciel de lecteur virtuel. Hein. C'est ma colle 5.2%. Donc ça, on va quitter. Ok. Une fois téléchargé, voilà ce qu'il faut. Je parle très mal. Vous allez dans le dossier de télécharger avec 2. Donc c'est un fichier rare. Hein. Voilà. Vous avez des trucs en espagnol, je crois. Et deux fichiers, MDF et DS. Le fichier qui va nous intéresser, nous, c'est MDF. Vous allez sur Daemon Tools. Ici, il veut bien s'ouvrir. Et donc, vous montez l'image. Le fichier MDS. Bon, moi, il lance pas le fichier qui est installé sur mon ordinateur. Mais pour vous, il va ouvrir l'installation et il vous rendra une clé CD. Alors vous allez là dans Mac, vous avez le www.net et vous trouvez ce petit fichier pour ouvrir que mon antivirus me le refuse. Enfin, si vous voulez. Pas un virus, hein. Je sais, il fait de la musique. Et là, vous cliquez sur Generate. Donc là, c'est des clés CD, elles sont toutes valides. Hein. Vous avez les instructions. J'ai mis la clé CD par défaut. On se demande si c'est de l'allemand ou de l'espagnol. Ouais. Je peux pas le dire non parce que c'est le top pour les jeux vidéo. Hein. Vous aurez constaté pour une petite présentation de l'opération ce que vous voyez là. Et vous aurez donc Battlefield 2 solo et Battlefield World. Donc c'était Ahmed et je vous remercie.